Bienvenue pour cette interview avec Marc Leux, que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Merci. Alors Marc, donc on a déjà collaboré dans le passé. On se connaît depuis nombreuses années. Depuis 20 ans, si je ne m'abuse. Oui. Je pense que j'étais arrivé dans ton bureau à la cellule de prospective il y a 20 ans. Tu m'avais fait le plaisir de te joindre à nous à l'époque. Mais la première chose que tu m'as dit, c'était de venir vous rejoindre pour une réunion qui s'appelait à l'époque, un groupe qui s'appelait Aujourd'hui pour Demain. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Avec Michel. Avec Michel Theis. Parce que, en fait, bon, l'entretien n'a pas duré très longtemps, et bon, finalement, on s'est surtout rencontré lors de sa réunion Aujourd'hui pour Demain. On va dire ce que c'était. C'était quoi? C'était un groupe informel qui réunissait des personnes qui étaient animées par le même élan vers des questions. Religieuses et politiques. Tout à fait. Mais bon, bref, tout ça pour dire que nous n'en sommes pas à notre première. Notre premier élan pour redéfinir les contours de la future civilisation qui va émerger. Et donc, le but de ta présence ici ce soir, ben, c'est de nous présenter ton nouveau livre, qui est ici, que je présente, qui s'appelle « Surgissement d'un nouveau monde, valeurs, vision, économie, politique, bref. » Tout change. Tu abordes tout. Et moi, ce que je propose, ben, c'est peut-être qu'on démarre peut-être comme ça, que tu nous présentes ton bouquin. Bon, ceci dit, je veux quand même cadrer dès le départ ta présence sur ce groupe. Parce qu'en fait, bon, la page PSIO, bien évidemment, c'est une page qui s'adresse aux personnes qui sont en tout cas soucieuses de leur qualité de vie, et notamment de la gestion du stress. Et bien évidemment, surgissement d'un nouveau monde, c'est le contexte. Évidemment, on arrive dans un contexte de stress énorme. Parce qu'on change de civilisation. Parce que tout change, et parce que, grand point d'interrogation, que va-t-il se passer? Est-ce que mon emploi va rester? Etc. Et problème écologique grave. Toi, tu vas l'expliquer, tout est en train de changer. Et évidemment, le stress apparaît. Ce n'est pas un stress négatif. D'ailleurs, c'est un stress générateur, souvent, de prise de décision, de changement d'orientation, aussi d'utilisation d'outils, on va en parler plus tard, peut-être de développement personnel, comme le PSIO. Et donc, c'est dans ce contexte-là, dans ce changement, qui dit changement, dit stress, que tu vas intervenir pour nous présenter ton livre. Donc, en fait, ce bouquin, il est déjà... C'est l'aboutissement déjà de toute une série de réflexions que tu as faites hein, dans le passé. Oui. Je vais commencer par parler du changement à 5 niveaux. Oui. Mais ces 5 niveaux, il y en a 4 qui sont sous l'eau. Okay. C'est comme un iceberg. La seule chose qui émerge de l'iceberg, c'est la crédibilité du politique. Le politique est en crise. Mais on ne parle pas des 4 niveaux en dessous de l'eau. Et on va commencer par le niveau le plus froid, tout en bas. Okay. Il y a d'abord une mauvaise nouvelle, c'est que nous avons créé une civilisation qui a inventé 2 possibilités de suicide collectif. La guerre nucléaire, tout le monde comprend, tout le monde sait. Et la croissance infinie dans un monde fini. Tout le monde comprend. Mais on préfère ne pas y penser parce que ça nous embête. Alors il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, malheureusement, je m'excuse d'être impopulaire en parlant de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le citoyen du monde, les hommes, les femmes, se disent « mais ce suicide, on n'en veut pas. Ces valeurs de mort, on n'en veut pas. On n'en veut pas ni pour nous, ni pour nos enfants, ni pour nos petits-enfants, ni pour nos arrière-petits-enfants. » Et donc, il y a un mouvement très puissant, mais silencieux, sous l'eau, de changement des valeurs de base de notre civilisation, de valeurs de mort vers les valeurs de vie. C'est chouette. Et de vision. Et de vision positive. Mmh.
un de mes amis qui est mort malheureusement, qui était un des penseurs de la Silicon Valley il y a 20 ans, au moment où la Silicon Valley réfléchissait vraiment, dans son dernier... Ça monte à partir du fond de notre subconscient, de notre truc, et ça nous pousse. Et là, plus les gens sont jeunes, la jeune génération est plus avancée dans ce changement. Les Greta Thunberg et autres sont plus avancés dans le changement que des vieux comme moi. Bon, le deuxième niveau, rapidement, c'est que nous avons été dans une société patriarcale, pyramidale, verticale, et que ces valeurs de commande, contrôle et conquête nous ont permis d'aller sur la Lune, mais ne nous permettent pas d'aller vers un monde soutenable. Donc, nous allons remélanger les valeurs patriarcales. Et on sort du patriarcat, tout simplement parce qu'on a besoin d'aller vers un monde soutenable. J'avais lu un bouquin il y a 20 ans qui s'appelait « La stratégie du dauphin ». Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Et donc, on parlait, bon, les requins, c'est fini, et maintenant, c'est la collaboration. Oui, c'est ça. Ouais. Et évidemment, dans ce mouvement, on constate, dans le business, dans les statistiques, dont je vais parler dans deux minutes, on constate que les femmes sont 60% du groupe de gens qui changent. Alors, je vais parler de ce groupe. Nous avons, avec Eurostat, qui est l'agence officielle de statistiques de l'Union européenne, nous avons introduit des questions de Paul Ray, qui est un Californien, un ami de Willis Herman, qui a découvert qu'en Amérique, il y a 24% de gens qui habituellement ne vont plus voter, mais qui changent de valeur en silence. Nous avons découvert qu'en Europe, il y en a 21%. Waouh, ça fait 100 millions. C'est énorme. Ça fait un cinquième. Oui. Ces 100 millions sont les clients de Psyo, oui. Potentiels. Ce sont les gens qui cherchent d'autres systèmes de guérison, qui sont responsables de l'environnement, qui redécouvrent les valeurs de l'engagement dans la proximité, qui redécouvrent les valeurs de leur famille, qui sont plus importantes que les valeurs de fric ou de travail. Qui s'intéressent au développement personnel. S'intéressent au développement personnel et sont ouverts à une dimension spirituelle, nécessairement religieuse. Pas nécessairement religieuse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons de statistiques que pour l'Europe et les États-Unis. Oui. Mais on a des indications et des livres qui parlent de 300 millions en Chine et de 300 millions dans le bloc musulman. Ah, et probablement en Inde aussi, mais on n'a pas de statistiques, et en Afrique aussi. Et donc, on est entre 1 et 2 milliards de gens qui sont en train de changer de valeur en silence. Oui, et dans ce groupe, 60% sont des femmes. Et qui se connectent maintenant. Ils se connectent, mais qui croient qu'ils sont seuls. Donc, on n'a pas encore trouvé de manière politique de les connecter. Heureusement, peut-être. Mais par contre, avec les réseaux sociaux, ils se connectent. Parce qu'on choisit quand même ses amis. C'est vrai. Et les amis d'amis, en général, alors ça se connecte. Il y a des pages aussi, quand même, sur Facebook. Facebook, ce sens-là, peut être un puissant instrument. C'est vrai. Alors, très rapidement, le niveau 3, c'est notre manière de raisonner. Nous passons du moderne. La modernité nous a permis beaucoup de choses, la science, la technologie, mais comme dit très bien Edgar Morin, la modernité, la croissance dans le profit, dans la science, dans la technologie et dans le progrès indéfini, si on définit la modernité comme cela, eh bien elle est finie. Parce qu'on va vers autre chose. En deux mots, le transmoderne dans lequel nous entrons, c'est le retour de l'éthique et du sens. Bonne nouvelle. Mais ça veut dire que nous allons devoir repenser fondamentalement le type d'enseignement et le type de débat dans toutes les universités du monde. Donc c'est un gros travail. Éthique et sens qui font aussi partie des caractéristiques de ces créatifs culturels dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Tout ça marche ensemble.
Et le créatif culturel, ça vient de Toynbee. Toynbee dit ceci, au début de l'ère industrielle, parce qu'il parlait en anglais, au début de l'ère industrielle, un petit pourcentage de gens ont commencé à vivre les valeurs du monde industriel et ils ont préfiguré le changement de civilisation pour passer de l'agriculture à l'industrie. Et maintenant, c'est la même chose, sauf que ce petit pourcentage est devenu 35% actuellement. On est passé de 25 à 35, c'est énorme. À tel point, que si vous êtes dans les 60% qui n'est pas dans ce mouvement, ben vous votez Trump, vous votez Le Pen, vous votez Salvini, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, pour moi, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon, mais il faut essayer de comprendre comment tout ça s'articule. Le dernier niveau sous l'eau, ouais. C'est l'économie. Alors, je vous raconte une petite histoire. Donc, j'étais un des 12 conseillers de Jacques Delors à la cellule de prospective. Et Jacques Delors nous dit, tiens, mais faites-moi un papier, un livre blanc sur l'économie européenne en 2040. On se met à travailler avec une centaine d'économistes en réseau et on arrive à un livre blanc dont l'idée principale était ceci. Attention, l'Europe a été agricole, on a toujours de l'agriculture, mais c'est 10% au maximum comme emploi. On a été l'Europe industrielle qui était 60% de l'emploi, mais ces 60 vont devenir 10. Et on entre dans l'économie immatérielle où les jobs ne sont pas créés. Il faut les inventer et ça va être tout à fait différent. Delors, tout content, arrive chez les chefs d'État en décembre 1993 à Bruxelles. Et les chefs d'État lui ont dit « This is very interesting, let us go to the next point. » C'est-à-dire, bon, ta vision prospective, on ne sait pas quoi en faire. Et ça fait 25 ans que les chefs d'État, que le politique ne parvient pas à vendre le changement. Et je le comprends. Parce que, mettons que toi, Stéphane, tu es politicien, tu fais une campagne électorale, et que tu dis, votez pour moi, on va changer de paradigme. Mais il n'y a personne qui va voter pour toi. Parce que les gens ont peur. Changer de paradigme. Et donc, c'est très difficile, c'est pour ça que je ne critique personne, c'est très difficile pour un politicien de vendre le changement. L'inconnu, quoi. Tu ne peux le vendre que le lendemain du crash. Ouais, il faut faire des... Oui, ou alors il faut faire des pilotes, quoi. Il faut faire des pilotes, et ouais. Il faut faire des expérimentations. Ouais. Mais justement, parlons-en de cette histoire de crash. Ce que j'ai vu dans ton bouquin, c'est que tu avais pris le parti de décrire une transition possible. Oui, un scénario. Voilà, un scénario qui est une transition, qui est la troisième transition. Tout à fait. Et pas l'effondrement total, le chaos total, et puis l'émergence d'un nouveau monde. Donc ça, c'est un choix que tu as fait. Donc pour toi, c'est possible. Mais il y a quand même un crash. C'est-à-dire que tout au début de mon scénario, le dollar s'effondre... L'euro s'effondre, bon, c'est pas rien. Non, mais enfin, ça continue quand même. Mais on montre très bien que ça permet, oui. Ça oblige l'ensemble, ah oui. À penser autrement. Mais je crois aussi, on ne sait pas. Évidemment, on ne sait pas, mais je suis de plus en plus convaincu qu'on ne va pas du tout vers un genre de guerre mondiale. Non. Pourquoi ? Parce que les Chinois, par exemple, n'ont pas avantage à faire la guerre. C'est beaucoup plus facile d'arrêter simplement d'acheter des bons du trésor américain. C'est clair. Ça ne coûte pas très cher, sauf qu'ils vont perdre. Si les bons du trésor s'effondrent, la valeur des bons du trésor, ouais. Ils vont perdre quelques milliards eux aussi, évidemment. Donc ils se tirent dans le pied. Ils font des accords, alors. On fait Oui, mais ils pourraient menacer Trump de manière plus intelligente, et je crois qu'ils ne vont même pas faire ça. Ils vont s'arranger pour que Trump ne soit pas réélu. Par exemple, en attaquant le dollar. On ne sait pas, mais je crois que c'est plutôt ça qu'ils vont faire. Ils peuvent dire,
Voilà, il n'y a pas moyen de négocier avec Trump. On attend un an et demi. Nous allons tout faire dans ce qui est en notre portée pour que Trump ne soit pas élu. La guerre, sûrement pas. La guerre, sûrement pas. Mais il y a des tas d'options pour eux qui ne coûtent pas si cher que ça. Bon, c'est vrai que si la pile de bons du Trésor qui est dans leur banque centrale perd 90% de sa valeur en quelques jours, c'est un peu ennuyeux. Mais c'est beaucoup moins cher qu'une guerre. Ah oui. C'est beaucoup moins cher. Et donc là, Trump s'écroule. Et on est sûr qu'il ne sera pas réélu. C'est une stratégie envisageable. On ne sait pas plus. Enfin, en tout cas, c'est le parti que tu as pris. Oui, et je crois, ça va plus loin. Willis Harman, avant de mourir, nous a dit « Faites des scénarios positifs, parce que d'une certaine manière, nous influençons le futur. » Claire. C'est sûr parce qu'à force de dire « Tout va mal, et tout va exploser, et nous allons vers une explosion totale ben, », ça ne construit rien, ça envoie de l'énergie négative. C'est vrai. Il vaut mieux envoyer de l'énergie positive. C'est clair qu'en lisant « Ravage » de Barjavel, c'est un peu et puis maintenant, la collapsologie. Oui, il y a tout un mouvement survivalisme, etc. Bien. Alors, donc en fait, donc toi, plutôt que le point de bifurcation qui sort d'un chaos, tu as choisi d'écrire une transition, donc c'est constructif. Et donc, tu parles quand même d'un... Et ça, je trouve que c'est important dans le cadre de notre rencontre. Tu parles quand même aussi donc, de ce changement du niveau de conscience qui fait partie aussi de cette description, ce nouveau type d'électeurs qui sont ces créatifs culturels. Parce qu'évidemment, changer, mais sans changer de conscience, ça ne marchera pas, quoi. C'est pratiquement une des clés fondamentales. Maintenant, ça veut dire que le changement change. Oui. Parce que, depuis des siècles, le changement a été un changement de savoir qui gouvernait. On a changé de roi, on a changé de dominant, on a changé de... Bon, mais on n'a pas changé de niveau de conscience. Non. Et donc ici, il s'agit de changer le changement. Cette montée de niveau de conscience, personne ne sait comment ça marche. Alors, je donne un exemple. Quand j'étais jeune, peut-être que vous qui me regardez n'étiez pas encore né, en 74, le Club de Rome a publié « Halte à la croissance ». Tout le monde s'est dit « c'est des fous ». Et Aurelio Pecce, qui était le chef de Fiat, mais considéré comme un communiste de gauche, enfin, un chef d'entreprise extrêmement brillant, on ne l'a pas cru. Bon. Nous sommes 50 ans plus tard. Tout le monde dit, mais évidemment, halte à la croissance. Halte à un certain type de croissance qui ne résout rien et qui nous empêtre dans les valeurs de mort. Ça veut dire quoi? Le niveau de conscience du citoyen du monde a monté de 5 niveaux. Oui, tout à fait. Maintenant, j'ajoute à ça ce que dit mon ami que je vénère, Théard de Chardin, et Aurobindo en Inde. Ce sont deux personnes qui ne se sont jamais parlé, qui sont dans des milieux complètement différents et qui disent la même chose. Théard de Chardin dit... nous allons devoir monter de conscience pour résoudre les problèmes qui vont être insolubles au début du XXIe siècle. Aurobindo dit « Ah, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une énergie divine extrêmement puissante, le supramental, qui est déjà descendue sur la Terre au XXe siècle et qui commence à travailler dans les tripes de chacun. » Maintenant, un certain Einstein disait les choses, mais pas de point de vue spirituel, il disait « Il n'y a jamais moyen de résoudre un problème au même niveau de conscience qu'il est, que celui auquel il a été posé. Donc il faut
remonter les bretelles de la conversation pour voir les choses d'un peu plus haut et pour trouver des nouvelles solutions. C'est comme ça que lui a trouvé la relativité générale et la relativité restreinte. Bon. Donc monter de niveau de conscience, c'est chouette, oui. Mais personne ne sait comment il faut faire. Oui, mais ce que j'ai aussi noté, c'est que on constate, hein, on y est déjà, hein, on constate une évolution dans la sensibilité des gens. Tout à fait. Au niveau émotionnel, il y a eu, en 30-40 ans, moi je l'ai vu, hein, de mes yeux vus, c'est passé devant moi, j'ai vu une augmentation au niveau émotionnel. Et là, je dirais que la Belgique est beaucoup plus cool que par exemple la France, mais moins cool que le Québec. Mais en Belgique, on peut parler de spiritualité et on n'est pas embarqué dans la religion. Les Belges acceptent la différence entre spiritualité et religion. Tu peux être un évêque et pas être très spirituel, et tu peux être un athée et être très spirituel. Le Belge accepte ça. Le Français a plus de difficultés. Donc le Français, c'est peut-être le bas du panier. Ça vient. Et au Québec, c'est presque évident. Moi, je travaille pour les éditions Ariane. Quand on voit tout ce qu'ils publient, ben, on se rend compte que notre niveau de conscience est un peu plus bas que le leur. Mais on sait aussi que le Québec il est très fort lié avec la Californie. C'est là où ils vont prendre leurs vacances et qu'il y a un bridge. Il y a un bridge de ce côté. Et les Québécois ont ceci de sensationnel, les Canadiens d'ailleurs, c'est que leur système social est plutôt européen, mais ils ont pris des Américains à l'entrepreneurship. C'est-à-dire que tu es chef d'entreprise au Canada, tu fais faillite, no problem. You got a chance, you have learned through your collapse, no problem. En Europe, on dit quoi, ce type a fait faillite? Comment? Oui, mais à la région Wallonne, on n'aime pas les gens qui font faillite. Voilà. Et donc, les Canadiens ont pris ce côté entrepreneurship positif des États-Unis, mais ils ont pris aussi tout le côté social et environnemental de l'Europe. Donc, c'est une synthèse intéressante. Tout à fait. Enfin, voilà. Alors, écoute, moi, en lisant ton bouquin, j'ai solidement été impressionné par des similitudes que je retrouvais dans notre aventure psio, en fait, hein, avec nos ambassadeurs. D'abord, dans la structure de l'entreprise, qui travaille en réseau, et qui ressemble fortement à ce que tu décris dans les futures entreprises. On quitte le modèle pyramidal classique qui était fabricant, importateur, distributeur, revendeur, et aucune possibilité de communication entre ces niveaux, et qui fonctionne en réseau. Hein, c'est un peu ce que tu expliques dans ton bouquin, c'est la mutation des entreprises, c'est là qu'elle va tout à fait se passer. Et aussi, par exemple, si on veut calculer la valeur de Renault, on utilise des mesures quantitatives. Si tu veux calculer la valeur de Psio, il faut aller dans les intangible assets. Il faut faire de la mesure immatérielle. C'est ça. Parce que ton entreprise, c'est très difficile de dire combien elle vaut aujourd'hui dans les critères anciens. Et il faut utiliser les critères nouveaux. Deuxième chose, l'outil de travail. En Europe, les actifs immatériels, c'est... C'est pas encore fort pris en compte. Pas du tout. À la Bourse de New York, c'est 60%. Oui. L'américain, oui. Et chez nous, c'est 20%. Les gens commencent à en parler, mais... Si, c'est carrément dans une valorisation, c'est carrément mis à zéro. Hein. Oui. J'en fous. C'est vrai. Alors que les intangible assets, ça vient de Suède. Oui. Ça vient de chez nous. Alors, une autre chose aussi, c'est que dans l'ère industrielle, l'outil de travail, c'est l'usine, c'est pas le travailleur. C'est l'usine qui produit les Renault. Et si tu mets à la place des travailleurs des robots, l'outil de travail continue à travailler. Ouais. Tandis que dans la société immatérielle et dans Psio, l'outil de production, c'est l'humain. C'est l'humain. Et donc, tout repose sur l'humain. Tout repose sur l'humain. Oui. Le management est human-centered, parce qu'il n'y a pas de choix.
Ça s'appelle marketing relationnel. Mais donc oui, voilà, relationnel. On peut parler d'humanisme, c'est plus facile. Oui, on est en train de réhumaniser, je Mais trouve, oui, tout à fait. La profession. Et donc, on peut même aller, si tu lis L'entreprise consciente, chez Ariane, qui est une traduction de l'américain, de deux, un professeur d'Harvard et le directeur de Whole Food Market. Mais ces gens expliquent bien que travailler dans cette entreprise, c'est aussi se mettre à se transformer, à s'améliorer. C'est-à-dire appliquer à soi-même ce que Psio propose comme... Oui, comme complément d'information. Parce complément d'information. Il n'y a pas que les formations, il y a aussi comment dire, les séminaires, les formations. Voilà. Et donc, travailler dans la nouvelle entreprise, pas seulement Psio, c'est tout d'un coup découvrir une espérance de perfectionnement et de transformation personnelle. L'évolution personnelle dans le cadre du travail. Mais oui, c'est extraordinaire. Et nous, on avait une ambassadrice qui malheureusement est décédée l'année passée, mais qui disait toujours ça. Elle disait, voilà, moi je gagne ma vie tout en faisant des nouveaux amis et en me développant personnellement. Et alors, c'est comme ça qu'on peut faire le lien avec le transfert de connaissances, évidemment, qui fait aussi partie de ces nouvelles entreprises. Alors, le transfert de connaissances est une des redéfinitions. C'est la base de l'économie immatérielle. Parce que si tu vends une Peugeot, alors toi tu as la Peugeot, moi j'ai ton argent, mais tu ne peux pas avoir l'argent et la Peugeot. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais si moi je te propose une connaissance, de toute façon, je ne peux pas l'effacer de mon cerveau. Donc, je ne peux que la partager. Tu la gardes? Ah oui. La seule chose que je peux faire, c'est partager. Et donc, pas. Nous changeons complètement la base même de l'échange industriel. Le trade, c'est-à-dire je te donne la Renault et je n'ai plus la Renault, le trade, c'est fini. Et en fait, bon, nous, on transfère les connaissances en expertise de gestion du stress, par exemple, en développement personnel. On transfère des connaissances de management par des spécialistes qu'on a engagés et qui dupliquent leur savoir-faire vers le groupe. Et eux font la même chose. Et toutes les formations chez vous sont gratuites? Et bien sûr, toutes les formations sont gratuites. Ah bah oui. Oui, parce que tu peux apprendre une nouvelle expertise, en faire ta façon de vivre, de gagner ta vie, en ne déboursant rien. Finalement, la connaissance, tu la reçois, tout simplement. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui fonctionnent là. Je dois avouer que c'est ça qui m'a séduit quand j'ai découvert moi-même ce business model, puisque je ne connaissais pas du tout le système en réseau. Mais en fait, c'est comment est-ce que j'ai découvert? C'est parce que l'ancien système ne marchait plus. Mais non. Donc voilà, moi, j'ai toujours fait la même chose, en fait, hein, mais j'avais la technique. Mais une vieille structure pyramidale, voilà, très chère et très rigide. Et très rigide, et finalement, qui se casse la gueule. Je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait plus. Et donc j'ai cherché un nouveau business model, je suis tombé là-dessus, mais je ne connaissais pas. Et au fur et à mesure que j'ai découvert, j'ai été séduit par le côté extraordinaire au niveau humain. Mais oui. Et qui donne du sens, effectivement. Qui donne du sens. Et en fait, pourquoi ça a du sens avant tout, selon moi? C'est parce que tu prends ta place. Tu vois, tu as une place sur le plan humain. Il ne s'agit pas de te remplacer. En tant qu'humain qui échange de l'information et qui diffuse cette information dans le réseau, ben, tu as une place importante. C'est ça qui donne avant tout du sens. Et là, on peut peut-être faire le lien sur l'intelligence artificielle et les peurs dans le scénario un peu moins positif que tu as imaginé, puisqu'il y a deux possibilités. Il y a un scénario positif et un scénario négatif. Le scénario négatif, c'est évidemment le remplacement par la machine. Oui. Alors, en très bref,
Dans mon livre italien, j'ai ajouté quelque chose dans le scénario, c'est que en 2035, Google allait fermer définitivement Singularity University. Et pourquoi? Eh bien, parce que Kurzweil est en même temps génial et en même temps il se trompe lourdement. Alors pourquoi est-ce qu'il est génial? Il est génial parce qu'il a compris qu'une des fonctions du cerveau peut être éventuellement accélérée à l'aide de technologies. Bon. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est les développements actuels de scientifiques tant en Russie qu'aux États-Unis et en Europe, qui découvrent trois autres fonctions du cerveau. Le cerveau émet une lumière très faible qui est captée par les cellules et par l'ADN des cellules. Et le cerveau reçoit aussi des réponses des cellules, donc il est un émetteur-récepteur. Mais le cerveau se communique aussi au cosmos et à la mémoire akashique de l'humanité. Comment est-ce que Tesla parvenait le matin à dessiner son appareil parce qu'il avait rêvé? Mais il se connectait d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment. C'est clair. Einstein se connectait d'une manière ou d'une autre. Chopin, Mozart, comment est-ce qu'ils trouvaient leur symphonie? Ils se réveillaient le matin et l'écrivaient. Ça venait d'où? Ben oui. Bon. Et donc, comme il ne voit pas Kurzweil et ses collaborateurs de Google, comme il ne voit pas les autres fonctions du cerveau, il risque de mettre des petits implants dans le cerveau et de jouer les apprentis sorciers. Ils vont arriver à rien. Non, ils vont faire une centaine de monstres. Ouais. Et puis, Google va arrêter. Donc, attention. Et c'est pour ça que je dis que Silicon Valley aujourd'hui, ils font du fric, mais ne font plus sens, parce qu'il n'y a pas de pensée au niveau du paradigme. Mais je pense que jusqu'à ce qu'on se rende compte que le cerveau n'était pas le créateur de la conscience, mais le récepteur de la conscience, on pouvait espérer limiter avec des réseaux neuronaux, avec du deep learning, etc. Maintenant qu'il y a un consensus qui est en train de se développer, d'apparaître... Mais pas chez eux. Non, pas chez eux, mais bon, oui, ça arrive. Alexandre, attends, quand tu lis ce livre-là, t'as vite compris. Or, c'était un super sceptique. Oui. Bon. Il y a des centaines de livres de cette qualité. Et Ben Alexandre est venu à Paris, invité par un de mes copains. Il y avait 2000 personnes qui étaient... Ah. Parce que lui, à travers son expérience, il s'est transformé intérieurement. Bon, c'est quand même d'un tout autre niveau que Kurzweil, qui est intelligent, mais... Mais je pense que, bon, à partir du moment où on a compris que l'humain... comme tous les animaux d'ailleurs, peut se connecter à la matrice, on va plus redire à la matrice. Je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tous les systèmes mécaniques, intelligence artificielle, c'est des systèmes, vraiment, c'est des systèmes qui sont incapables de se connecter au champ. Ça veut dire que l'humain va garder une place importante. Peut-être qu'il aura des outils pour l'aider, mais pas pour le remplacer. En tout cas, pas sur le plan de l'esprit. Et tu vois, c'est vraiment, comme je montre, le scénario négatif ne mène nulle part. Oui, non. Ne mène nulle part. Il n'y a pas d'alternative que de changer de niveau de conscience. Mais ça, Kurzweil, il ne comprend pas. Et les types de Google non plus. Oui, les dirigeants de Google, ils mettent leurs enfants à Montessori dans les écoles alternatives où on ne peut pas avoir de computer, etc. Mais dans leur tête, la vision n'a pas changé. Bien, écoute Marc, je te remercie. Je vous encourage donc à vous procurer Surgissement d'un nouveau monde. Donc vous pouvez le télécharger sur la page Psio, le groupe Psio, pardon, en version gratuite. Oui, et il a un titre différent pour ne pas avoir d'ennui avec l'armateur. C'est ça s'appelle Co-créer
Un nouveau monde. Oui, c'est ça. Hein. Et alors en version livre, c'est sur Amazon, hein. Mais oui. Surgissement d'un nouveau monde, Marc Loïs. Voilà. Encore merci, Marc, pour ton intervention et pour ton travail. Avec plaisir. À bientôt.